Allez, salut les amis, c'est Armel, nouvelle vidéo, on se retrouve sur Pokémon Let's Go Evoli, on va voir un petit peu si le jeu est sympa, j'ai hâte de voir ça. Donc là je joue qu'une seule, un seul Joy-Con, hein. Ça fait un petit peu bizarre au début, hein. Comme vous savez ça joue comme ça, donc on va voir un petit peu du coup comment c'est. En tout cas le jeu est beau, ça fait plaisir. Alors, on va prendre ce perso là. Alors ça fait super bizarre hein, avec un seul Joy-Con. Hein. Ça fait un petit peu bizarre, il va falloir s'y habituer. Je pense que moi j'ai pas la Pokéball, hein, je préfère utiliser le Joy-Con. Mais... c'est vrai que ça fait un petit peu zarbi d'avoir une toute petite manette dans la main. Mais après, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de plus de boutons, donc finalement, je comprends le principe, quoi. Ah, notre petit rival. On va laisser le nom de base, hein. Non, faut donner un nom. Quel nom je vais lui donner, moi? Je vais l'appeler Jimmy, je crois. Allez, hop. Ça, c'est un jeu qui va vraiment me détendre, hein, je pense. Hein. C'est vraiment le genre de jeu que tu joues tranquillement. Ça fait quand même plaisir. Là. Je suis content de l'avoir acheté, parce qu'entre tous les jeux d'action que j'ai, puis là, un petit jeu de capture tranquille de Pokémon, ça va vraiment me ramener un petit peu en arrière. Ça va faire plaisir. Oh, le jeu est beau, hein. Franchement, je trouve que le jeu est vraiment bien foutu. Hein. Ah, Jimmy qui arrive direct. Il nous a envoyé un email. Zut, j'ai rappuyé. Alors, est-ce que c'est bien ici? Je crois, hein. Mais je crois qu'il s'est barré, je crois, le professeur, non? Normalement. Faut pas l'aider à capturer un monstre, je me souviens au début, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ça remonte à loin, mais... elle est là-bas normalement, si je me souviens bien. Et voilà, c'est ça. Yeah.
Ah, un Evoli. C'est le Pokémon principal, ça. Alors, faut lancer une Pokéball. Alors, j'ai hâte de tester justement la capture avec le Joy-Con. Et il vise bien surtout. Pointer le Joy-Con. L'action de la Pokéball affichée à l'écran. Ok. Sélectionner l'option lancer en appuyant sur le bouton A. Imiter un mouvement de lancer avec le Joy-Con pour envoyer la Pokéball. Ok, attends, je vois le truc. Ouais, ça, faut prendre un petit peu le coup de main. Je suis pas habitué vraiment à faire le geste pour capturer un Pokémon. Hein. Et bah voilà, un petit Evoli. Non, non, bah là, moi j'aime bien que les Pokémon gardent leur nom d'origine. Et donc, bien sûr, notre rival à Pikachu, forcément. Le Pokédex, bien sûr. Bon, je vais capturer des Pokémon pour m'entraîner un petit peu là à la capture, vu que c'est un petit peu particulier. Hein. On a obtenu la petite carte qui fait plaisir. Bon bah allez, c'est parti. Hein. J'ai hâte de voir ça. Hein. On voit les Pokémon dans les autres herbes directement. Regardez, là on voit un Rattata. Ça c'est sympa de voir les Pokémon. Hein. Ça c'est cool, hein. Vraiment. Je trouve que c'est quand même sympa. Si t'as pas envie de faire des combats, bon, c'est pas vraiment des combats maintenant, mais en tout cas vous m'avez compris. Non, la capture c'est cool. Franchement, c'est pas très compliqué. T'appuies sur A en fait, et après t'as qu'à faire le geste quand t'es sûr de ton coup en fait. 1,8 multiplicateur de bonus d'XP, du coup on a obtenu 20 points d'expérience, un nouveau Pokémon.
Et du coup, on gagne de l'XP. Donc tous les Pokémon qui gagnent de l'XP, semblerait. Hein, on a le multi-XP intégré directement au jeu direct. Il peut ronger n'importe quoi avec ses deux dents, quand on en voit un, il y en a certainement 40 dans le coin. Ça, c'est pas forcément faux. Dans les anciens Pokémon, on croisait tout le temps des combats, c'est clair, avec ces petites bestioles-là. Et bah écoutez, c'est parti. Hein. Ouais, il y a un Rattata qui est juste à côté, là. Encore. Alors, est-ce qu'on va capturer, du coup, plein de Pokémon pour Pex Et du coup, donc, je vais avoir une équipe de plein de Rattata, ça me paraît un peu bizarre, du coup, on va voir un petit peu tout ça. Ou est-ce que du coup, il faut se limiter, justement, à capturer peut-être un Pokémon de chaque type par zone. Alors, après, parce qu'on prend trop d'XP, ou ça vient un petit peu zarbi. Je vais essayer de tout capturer, tout ce que je croise pour l'instant, puis on verra après par la suite. Oula, bonus XP x 3,6 cette fois-ci. Ouais, capture réussie, excellent lancé, capture du premier lancé, lancé technique, combo capture, ok. Evoli de niveau 6 déjà. Il apprend vive attaque. Ah, un Roucoule. Ah ouais, les Pokémon sont très très bien faits. Ça c'est vraiment sympa. Alors attention, je me prépare. Alors là, j'ai loupé encore, c'est bizarre, pourtant je fais bien le geste comme il faut. Est-ce qu'il y a des chances du coup que la Pokéball part sur les côtés automatiquement? Je sais pas du tout. Pourtant, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai pas changé du tout ma manière de capturer le Pokémon. Donc, je l'ai lancé, donc du coup... Quand on capture des Pokémon à la suite, on obtient pas mal d'XP. Donc j'ai deux Rattata du coup dans mon équipe, hein, comme prévu. Hein. On va sûrement pouvoir balancer des Pokémon contre des objets, trucs comme ça. Hein. De nature très docile, il préfère projeter du sabre pour se défendre plutôt que contre-attaquer. Mais du coup c'est cool, on remplit une équipe comme dès le début. Hein, du coup, c'est un dresseur lui. J'aimerais bien faire un petit combat moi quand même, ce serait sympa. Alors non, pas par ici. On est à Jadiel. Donc là, on a le centre Pokémon qui est juste ici. Ah, la Team Rocket, tiens. Ils bloquent le chemin, je crois, non? Ils sont toujours marrants. Hein. École de dresseur. Ok, donc là, je crois qu'il y a plein de bouquins, je crois, ici, hein, si je me souviens bien. Ouais, voilà, c'est t'apprennent les bases, je crois, les éléments, etc. Eh ben écoutez, on va retourner voir le professeur Chen. Hein. Ah, on peut directement y aller directement. Ok, bah, pourquoi pas. J'aimerais bien faire un petit combat, hein, comme je vous ai dit, ce serait quand même sympa. Elle est vraiment magnifique cette Evoli. Hein. Ah, puis il est sur ma tête en plus maintenant. Alors les baies, je pense que c'est pour capturer des Pokémon plus facilement, je pense. Alors je sais pas comment ça marche. Hein. Donnez-lui une petite baie Frambi avant de lancer une Pokéball. Il sera tout content et se laissera capturer plus facilement, d'accord. Ah, les combats. Ah oui, alors là, ça m'intéresse. En garde. Allez, petit rival, on va te défoncer. J'ai hâte de voir ça, là. Jimmy, le dresseur, veut se battre. Donc lui, il a capturé que dalle. Hein. Il a un petit Pikachu. Et nous, on a Evoli, donc. Evoli.
Donc niveau 6 tous les deux, attaque. On va lui faire une vive attaque direct, on va attaquer en premier en plus avec ça je pense. Voilà. Ouh, il a perdu beaucoup de vie hein. Est-ce que moi aussi je perds beaucoup de vie? Non, non, je perds que dalle. Bon bah là, je vais le défoncer sans aucun souci. Hein. Vive attaque. Alors du coup, est-ce que le jeu va être très facile ou pas? Je ne sais pas. Si on capture trop de Pokémon et qu'on flexe un petit peu trop, du coup je vais suivre mon instinct, je vais faire un petit peu tout ce qui me plaît dans le jeu. Sans trop me poser de questions au départ et j'aviserai en fonction de ce que je croise après. Moi je pense que si je pexe un petit peu trop vite, je vais me limiter à capturer un seul Pokémon de chaque zone en fait, hein, donc pas de Pokémon en double. Mais ça c'est vraiment si je pexe un petit peu trop vite hein, bien sûr. Alors, une tenue relax. Une tenue pour mon Evoli. Ah, cool. Ah, mon Evoli est content d'ailleurs. Alors, récréation. Faites glisser le curseur en forme de main sur Evoli pour le caresser. Appuyez sur le bouton ZR ou le bouton A pour le tapoter. Appuyez sur le bouton Y pour recentrer la main au milieu de l'écran. Ah oui, d'accord. Pourquoi il est pas content? Ah d'accord. Il veut le coup, mais pas ailleurs. Ça, c'est les tenues, non? On peut pas changer de tenue tout de suite. Je vais lire les explications, et là, je sais pas. Ok, on va mettre retour, alors. Vous pouvez jouer avec votre partenaire à tout moment en appuyant sur le bouton X, puis en sélectionnant l'icône de votre compagnon. Ok. D'accord, jouer avec Evoli direct. Le sac, on va regarder dans le sac, du coup, on a obtenu le... Malacostume. Choisir une tenue pour Evoli. Vêtements, veste relax. Et hop, un nouveau look. Alors là, j'ai rien vu, non? Est-ce qu'il l'a peut-être déjà sur lui? Ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe. Ah! Un Chétiflore! Ah oui, non, attendez, on a dit qu'il fallait donner une baie en premier. Baie Frambi! Une baie donnée à un Pokémon sauvage pour pouvoir l'attraper un peu plus facilement. Bah allez, c'est parti, hein. Ah zut. Excellent, ok, impeccable. Et c'est dans la poche. Du coup, regardez, l'équipe pex en même temps à chaque fois. Hein. Ça va être pratique pour monter des Pokémon bas niveau, etc., je pense. Hein. Alors du coup, si on capture des Pokémon très très haut niveau à la fin du jeu, du coup, ça va pex énormément, j'imagine. Il préfère les endroits chauds et humides. Il capture les Pokémon insectes avec ses lianes pour les dévorer. Ah, est-ce que c'est un dresseur, lui? Ah non, il est juste venu me donner un petit cadeau. Une petite potion. Ah, Ratata, on va le laisser tranquille, je pense. Je vais essayer de voir un petit peu... Ah, c'est bon, un combat! Ah bah voilà! Nos regards se sont croisés, allez, un combat, bateau contre mon Pokémon préféré. Et il s'appelle comment, lui? J'aime bien quand les mecs, ils ont leur Pokémon. Owen, le gamin, veut se battre. Eh ben, amène-toi, Owen. Un Rattata. Eh ben, nous, on a Evoli.
Quel level sur Ratata niveau 3? D'accord, donc là j'ai quand même un level largement au-dessus. Hein. C'est pour ça, comme je vous dis, je vais essayer de voir un petit peu pour si je dois me limiter ou pas. Ah oui, d'accord, la tenue, je la vois maintenant, la tenue qu'il a. Pas évident à voir au premier coup d'œil en fait, hein, qu'il avait une tenue, l'Evoli. XP, donc on a obtenu pas beaucoup d'XP forcément, hein, c'est les bas niveaux. On obtient 3 Pokéballs. Et oui, le centre Pokémon. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver au centre Pokémon. Ouais, un petit soin serait pas de refus. Du coup, j'ai deux Rattata, un Rukul et un Chétiflore, je crois. Alors, c'est qui lui? Non, lui il veut rien du tout. On va parler un petit peu à tout le monde, on sait jamais si quelqu'un veut échanger un Pokémon, etc. Les magazines. Pourquoi pas, ouais. Ok, rien de particulier. Aspicot est venimeux. Attention à sa piqûre, ouais, on connaît bien. Donc ça c'est la boutique. On va pas y aller tout de suite. La route maintenant, elle est dégagée, on peut y aller tranquillement. Allez dans le menu, choisissez l'un des membres de votre équipe puis sélectionnez l'option sortir de la Pokéball. Ah ouais, c'est vachement sympa. Du coup, alors dans mon équipe, sortir de la Pokéball, le Chétiflore. Et du coup, je me demande, est-ce que le Rukul il vole quand il me suit, du coup? Ah ouais, oh, c'est bien foutu. Du coup, c'est sympa un oiseau qui me suit en volant. Là. Je vois aucun Pokémon ici pour l'instant. Ah, c'est un chenipan ça. Allez, je le capture direct. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Oula, c'était pas mal là, je crois. Là. Allez. Un petit chenipan dans l'équipe, ça fait toujours plaisir. C'est quand même cool finalement de capturer plein de Pokémon à la suite, parce qu'avant on capturait pas autant de Pokémon, on les flinguait principalement tous. À part ceux qui étaient vraiment très intéressants pour ton équipe. Là du coup, tu captures directement. Quand on touche l'appendice sur son front, il sécrète une odeur nauséabonde pour se protéger. Du coup, là tu captures par instinct, quand non seulement ça te fait pex, et en plus tu complètes le Pokédex. C'est vraiment nickel, quoi. Après, j'espère qu'il y aura quand même pas mal de combats, bien sûr, dans le jeu. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur, mais s'il y a des combats, ce sera vraiment très bien. Ouais, on va dans la forêt de Jade. C'est quoi ça? Non, c'était juste une lumière. Un dresseur? Allez hop là.
c'est parti. Donc à ce qui paraît, on peut rebattre les dresseurs avec un objet, donc j'ai hâte de voir ça aussi dans le jeu. Hein. Niveau 4, donc ouais, pas très haut niveau pour l'instant les Pokémon. Hein. Après, c'est que le début du jeu, donc ça peut se corser, hein, bien sûr, j'imagine. Joanna la fillette. 3 Pokéballs. Ah, c'est sympa ça. Sélectionnez-en une, donc voilà, que ça on l'a déjà fait tout à l'heure, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser une baie, je pense. Hein. Si. Non, je pense pas. Je pense pas. Ah, ici, il est sorti de... Pourtant, j'avais fait un lancer plutôt pas mal. Bon, bah, on va utiliser une baie alors, si ça aide vraiment. À mon avis, ça aide pas mal finalement, il semblerait. Hein. Et voilà, on a encore un Roucool. Donc on a 2 Rattata, on a 2 Roucool. Hein. Rattata niveau 5. La boîte Pokémon du sac. Quoi ça? Ah, un Aspicot là, je suis en train de voir là. Taille mini. Ah, c'est un Aspicot taille mini. Super. Et ben voilà. Il est entouré d'une sorte d'énergie bleue, vous avez vu, hein, dans les herbes, en fait. XP x4, nouveau Pokémon, superbe lancé, capture au premier lancé, lancé technique, taille, 52 XP. Ah, c'est beaucoup, hein, quand même, 52 XP, là, je trouve, là. Ah ouais, ça a bien pex, hein. Plus on va capturer de Pokémon, alors si on capture un Shiny, j'imagine que là, t'obtiens vraiment un truc de fou, hein, comme XP. L'aiguillon sur son front est très pointu, il se cache dans les bois et les autres herbes, où il se gave de feuilles. Alors oui, les Pokémon, il y en a énormément partout autour de moi. Hein. Alors là, est-ce qu'il faut que je fasse une petite baie peut-être? Et bah donc, il était pas évident à capturer, lui, hein. Ouais, on n'a pas beaucoup d'XP parce que la capture était un petit peu naze, hein, je pense, là. Tiens, il y a un truc ici, là. Un chrysacier sauvage, taille mini. On va prendre une baie directement. Hein. Voilà, il est content. Et c'est parti, excellent. Et ben voilà, c'est impeccable. Alors lui, il va bien pex, à mon avis. Hein. Là, le chrysacier qu'on a chopé, XP 5,4, hein, fois 5,4, 130 XP. Alors là, nouveau Pokémon, excellent lancé, capture premier lancé, lancé technique et la taille. Et là, ouh, là, oui, ça a bien pex. Hein.
toute l'équipe prend des niveaux là. Hein. Chenipan niveau 5, Chenipan niveau 6. Là c'est là où vous avez vu que ça a vraiment bien pex. Hein. Il renforce sa carapace pour se protéger, mais un coup puissant peut l'en déloger. Allez, un petit dresseur. Yes. Ah, là-bas, il y a un Pokémon avec une aura rouge, là-bas. Alors, est-ce que c'est un Pokémon taille maxi? Saïd, le scout, veut se battre. Et ben, petit scout, hein, Aspico. Nous, on va faire vive attaque, hein, comme d'hab. Hein. Il est niveau 3, hein, vraiment. Très très faible level. Hein. Eh oui, t'as déjà perdu, hein, ton Pokémon était extrêmement faible. Hein. Alors là, il faut que j'y aille. Alors, attention, taille maxi. Yeah, c'est ce que je pensais. Eh ben écoutez, on va faire une petite baie directe. Allez! C'est bon? Yes! Celui à capture réussi, superbe lancé dans cette technique, la taille. On est bientôt au niveau 10 avec Evoli déjà. Hein. 0,38 mètres, ouais. Et le poids 4,16 kg. Donc finalement, pour esquiver les combats, c'est pas évident, parce que là, ils sont très nombreux autour de moi, comme vous pouvez voir, les Pokémon. Je fais un pas et hop. Il apprend ligotage, d'accord. Là, j'ai fait un pas. Hop, un Pokémon. Alors, si je fais fuite. Ouais. On va pas capturer les 500 Pokémon de la zone. Hein. Ah, j'ai fait un pas encore. On va faire fuite encore. Hein. Parce qu'après, sinon, je vais finir à niveau 14. Dans une toute petite zone. Jacques, les dresseurs que j'affronte, je les one-shot un petit peu, donc j'ai vrai qu'il y a un petit peu de challenge quand même. Un chrysacier, là, on peut voir encore. Après, si je vois un Pokémon que j'ai pas, bien sûr, je fonce dessus. Hein. Mais pour l'instant, rien de particulier. À l'attaque! Alors, il va être quel level, lui? Je parie niveau 4 ou 5. Allez. Omar, le scout. Un chenipan. Allez, niveau 4-5, j'ai dit. On va voir quel level il est. Et niveau 3, bah, il est donc encore plus faible que je pensais. Je vais bientôt niveau 10, déjà. Hein. Allez, une petite charge, hein, ça sera suffisant. Hein. 9 XP. Ah, ton chenipan n'est pas assez fort, hein, ça c'est clair. Hein. Il faut qu'il pexe, lui. Hein. Ah, une Pokéball et puis il y a un combat, surtout. On va faire fuite. Sinon, je vais avoir 50 chenipans dans mon inventaire. 3 baies frambi. Allez, un petit combat. Alors, il a plus de Pokéball, lui. Des bulles bizarres dans la forêt. Ah, j'aimerais bien en choper un, hein, tiens. Ce serait sympa.
Un Nidoran. Niveau 4. Bon, c'est déjà un level de plus que tout à l'heure qu'on a affronté là. Niveau 10. Il apprend un truc peut-être de niveau 10. Double pied. Ouais. On va virer Mimic. Il y a quoi ici? Ah, je l'ai pas lui. Lui, c'est l'évolution de Aspico, lui. Un Concofort. Alors, une Beframbie directe. Hop. Et c'est parti. Ok. Ah, si, c'est bon. Est-ce que ça le capture quand même? Ouais. Ok, 1,8 de multiplicateur d'XP, 43 XP, c'est quand même pas mal. Rokul niveau 9. Il peut à peine bouger, quand il est menacé, il sort parfois son aiguillon pour empoisonner ses ennemis. Et là, ici, ça nous ramène... C'était quoi, là, ici? Non, ça, c'est un Rokul. Ok. Là, faut bien ouvrir hein, les yeux pour bien voir dans les herbes. Un but bizarre dans les herbes, je sais pas, ça doit pas bien se voir dans les herbes vertes, là. Allez, un petit dresseur, encore. Et du coup, on est content de faire les combats contre les dresseurs, vu qu'il n'y a pas de combat dans les autres herbes, alors que d'habitude, t'as plein de combats aléatoires. Et du coup, t'en as un petit peu marre, t'en as déjà fait plein de combats. Bah là, du coup, au contraire, tu vas aller chercher des combats. Vu qu'ils sont un petit peu plus rares, c'est vraiment l'effet inverse. Tiens, double pied pour tester. Mais c'est pas très efficace, hein, j'imagine, normalement. Voilà, c'était pour tester. Donc du coup, Evoli, là, il va être fort contre le type pierre. Ça va être énorme. Et le type normal aussi. Moi je pense que vraiment je suis très content d'avoir pris la version Evoli. Chenipan niveau 7. 3 Pokéballs encore, c'est cool, à chaque dresseur qu'on affronte on obtient des Pokéballs en plus. Ouh, Chenipan évolue. Allez hop là, c'est parti. Un Crisacier. Alors, est-ce que je reviens ici? C'est un peu labyrinthe. Je crois pas que je suis devenu ici. Hein. Non, non, je suis pas venu. Voilà. Christine la fillette. Un petit Rokul. Il est vraiment stylé mon Evoli. Hein. Allez, vive attaque. Il est niveau 4 hein, le Rokul. Hein. Je suis niveau 10 quand même. Hein. 6 niveaux de plus. Le pauvre là, on verra pour le premier badge, le level. Que leurs Pokémon vont avoir. J'espère ne pas avoir trop pris de niveau. Ah, un Crisacier.
On va pas le capturer, on a déjà un. Ah, un Pikachu! Alors là, il me le faut le Pikachu. Ça va être sympa ça. Allez, une baie Frambi. Tiens, prends une petite baie. Excellent! Alors là, si je le capture pas avec ça. Et là, je le mets dans mon équipe direct. Hein. J'ai un Rattata. Ouh, il s'est libéré. Dommage. Oh là 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 là. Allez, hein. On va la voir. Hein. Allez, 2. 3. Ouh, j'ai pas de chance. Excellent, allez. C'est bon? Est-ce que si je leur donne une petite baie, ça peut peut-être l'aider à être capturé? Elle est bien énervée, là, le Pikachu, on dirait. Ok, excellent. Allez, allez. C'est bon? Ouh, yes! T'es dur à capturer, celui-là. Hein. XP 2,4, ok. Et là, je vais remplacer la Rattata niveau 7 par lui. Et ça sera impeccable. Ce Pokémon des bois accumule de l'électricité dans les poches de ses joues. Il ne faut pas les toucher sous peine de recevoir une décharge. La boîte Pokémon du sac. Alors, on va regarder ça tout de suite. Boîte Pokémon. Donc, on a le petit Pikachu qui est ici. Inclure dans l'équipe, ouais. Et on remplace par, voilà, le Rattata. On a un Pikachu niveau 5 dans l'équipe. C'est vraiment impeccable. Eh ben écoutez, c'est nickel. J'ai jamais chopé encore un Bulbizarre ou un truc comme ça. Et là, ça fait déjà plaisir. Un flacon de parfum. Pour évaluer votre Pokédex, montrez-le au professeur Chen dans son laboratoire. Oui, ça on connaît. Je vais esquiver des Pokémon. Un petit dresseur, là, ici. Allez, hop là. Non, on n'est pas pressé, non. Samy le scout veut se battre. Un Crisacier. Ok. Vive attaque, c'est parti. Ah bah oui, je suis vachement fort comparé à lui, c'est sûr. Il y a encore un Pikachu là encore ici. On va le laisser tranquille. Alors ça s'est bien passé, on a capturé pas mal de Pokémon, on a une belle équipe hein, déjà. Les arbustes sur la route, la TS tranchage permet de les couper. Là du coup on aura plus besoin là, suivant dans cet épisode là d'avoir les... Vous savez, de remplacer des vraies capacités par les capsules secrètes justement qu'on avait avant, ça va être pas mal. Hein. Plus un Pokémon possède de PC, plus il est fort en combat. Il paraît que plusieurs paramètres entrent en compte pour calculer cette valeur. Ouh, un Rattata particulier là. On va quand même le capturer quand même. Grande taille là, d'après ce qu'on voit. Taille maxi. Allez, pas besoin d'une baie, je pense, pour un vieux Rattata quand même. Donc c'est au pif ça, je pense, hein, quand la capture, ma Pokéball part un peu dans tous les sens, parce que là, je fais le même geste que d'habitude. Est-ce qu'il faut utiliser vraiment une baie sur un petit Rattata? J'ai encore un petit peu de mal avec le système de capture, hein. Un peu de mal à piger... Comment ça fonctionne exactement?
Moi, je pense que quand la Pokéball part sur les côtés, c'est vraiment aléatoire. C'est pas mon lancer qui était pas bien, je pense pas. Parce que je fais exactement la même chose que d'habitude. Je vise bien, bien droit au bon moment quand le cercle est impeccable. On est à Argentin. Ah, Jimmy qui me cherchait. Alors, est-ce qu'on va l'affronter à nouveau? Je crois que oui. Hein. 5 potions, c'est sympa. Ah non, peut-être pas. Eh ben, c'est nickel. On va aller au centre Pokémon. On va parler un petit peu à tout le monde, on sait jamais. Un vieil homme m'a vendu un Pokémon poisson super chelou. Il est trop nul alors qu'il m'a coûté 500. Il lui semble donner un Magikarp. Mais moi le Magikarp, je veux bien le prendre. Hein, pour avoir un Léviator. Il a payé 500 Pokédollars. Crois-moi que si tu le fais évoluer, ce sera impeccable. Hein. Pokéball. Oh, Pokéball, j'en achèterai uniquement si j'en ai plus du tout. Pour l'instant, il m'en reste pas mal. Un racaillou ici. Oh, les racaillous, je vais les défoncer. Hein. J'ai une attaque combat. Hein. Donc, le type pierre, là, me fait pas peur du tout, là, du coup, avec mon Evoli. Hein. Ah oui, les fossiles, c'est vrai. Ah, ça va être bien, ça. Tiens. J'ai vu un truc qui clignotait. Ah non, je sais pas. C'est bizarre, ça. Pourquoi il me met un point d'exclamation ici? Ah, d'accord. Rokul a trouvé quelque chose dans le buisson. Une baie frambie. Ah bah, c'est sympa, Rokul. D'accord, ok. Parce que du coup, j'appuyais sur A, vous savez, dans le buisson en pensant qu'il y avait un objet, mais c'était Rokul qui voulait me donner un objet, en fait. Hein. Papillusion qui est juste ici. Là, ça, c'est l'arène Pokémon, hein, le champion pierre, qu'on va affronter prochainement, du coup. Donc, il me fait pas très peur, hein, du coup, vu que j'ai un type combat. Alors, attendez, il y avait un truc à me donner ici, là. Ouais. Rokul est super fort. Alors attendez, là, il y avait un truc qui est apparu encore une fois. Il y avait un truc qui est apparu juste ici, non? Moi, j'ai dû rêver. Allez, je vais soigner mes Pokémon. L'aventure commence bien et est super fun en tout cas. Je fais un échange avec la fille à côté de moi. J'ai deux Pikachu, donc je peux lui en passer un. Ok, c'est cool. Mon Mélofée contre un Pikachu. Non, non, merci. Plantéo. Normalement, combat aussi, normalement. Ouh, il est pas très sympa ce vieux. Allez hop là, on va se faire soigner. Et voilà. Et bien en tout cas, le jeu est vachement fun, les amis. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez pris quelle version, hein, celle avec le Pikachu ou le Evoli. Moi j'ai pris Evoli, je suis vraiment très content. On est une bonne équipe, hein, j'ai hâte d'affronter Pierre dans la prochaine vidéo. Et le jeu est super fun en tout cas, vraiment cool. Le système de capture me faisait un petit peu peur au début, mais ça va, finalement c'est plutôt cool. On verra pour l'XP, hein, comme j'ai dit, j'ai un petit peu peur pour l'XP. Si tu prends trop de niveau, du coup, de pas trop avoir de fun dans le jeu, si tu one-shot tout. Donc ça, c'est un truc qui me préoccupe un petit peu. Donc voilà, les amis, je vous laisse vous abonner pour les prochaines vidéos de Pokémon Let's Go. Hein, et bien sûr, hein, d'autres vidéos comme Monster Hunter World et Pirates Dead Redemption 2, etc., comme vous savez. Hein. Je vous laisse mettre un maximum de pouces bleus. Allez-y dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu-là, si vous avez envie de l'acheter, etc. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao!